Hello and welcome on Watches TV. And I don't know if you guys remember, but a few months back, we hosted Thomas Bayot here at our club space to talk about his rather ambitious project of producing a Swiss made tourbillon watch. For less than 5,000 Swiss francs. So, yeah, that sounded almost too good to be true, but you know what? He did it. So, we want to do some uh, follow up and especially meet some of the local suppliers that were involved since this project goes slightly beyond the watch itself. It's almost a statement, and of course, one that could uh, leave some uh, quite puzzled, or let's say that it does uh, shake a few things uh, around here. Let's go. By rethinking the way we sell that product, and by innovating with Olivier Maury in how we build that product, joining this, we made a tourbillon that is exactly the same property and quality of the high-end you can find in the market, but at a price, effectively, that has never been seen so far. We know how va make a piece with process processes. et on va adapter le design pour que ce soit fabricable avec ces process efficaces. Parce qu'aucune de nos pièces ne nécessite des machines très exclusives. Un fournisseur qui fait du fraisage, qui a une, une commande numérique relativement sommaire avec un petit chargeur d'outils, est capable de faire les pièces de notre calibre. On n'est pas obligé d'avoir une machine à un million, on n'est pas obligé d'avoir des, des, des outils en nombre incalculable, il faut moins de 10 outils pour faire euh, que ce soit la platine ou les ponts. So I definitely made a watch that you can see through. You can see the mechanism, you can see all the parts. That was very important. Jouer sur les différents niveaux, les finitions, euh, avoir des détails de, de finition différents. Vraiment, je dirais amener, c'est ce que je préfère dans mon travail, c'est aller chercher le petit détail qui fera la différence euh, par des, des biseaux, des anglages, des, des mix de finitions. Uh, and definitely we wanted as well to highlight the tourbillon itself but not only as well to highlight the barrier so what gives the force to the movement was very important and we give a lot of emphasis on this c'est un tourbillon avec une architecture très simple euh, une cage tourbillon placée à 6 heures, il fonctionne en 3 Hz il fait 31 mm de diamètre ça c'est très classique il n'y a rien d'innovant là-dedans euh, ce qui est euh, Remarquable, c'est qu'avec un seul barillet, il dépasse 100 heures de réserve de marche, qui résiste au choc de la vie de tous les jours et plus. Il résiste au champ magnétique. Toute la cage tourbillon est quasiment amagnétique. C'est un produit que nous, on garantit en standard entre 5 et 8 ans. En entretien, en service, une révision se fait en une heure. Donc nous, on est capable ici de, de répondre à des séries jusqu'à 50 pièces. Et dès que ça va au-delà, on travaille avec des, des spécialistes de l'assemblage ici en ville. How, how did I find the suppliers? I was born in La chaux de uh, When you're born in La chaux de all your friends, most of them, your family ends up working for brands. So I very simply reached out to my friends. I very simply reached out to people I knew from decades. Je lui ai dit le jour où tu fais un produit 100% suisse-made, tu nous appelles, on te fera les boîtes. Et plusieurs années après, euh, il a tenu parole, euh, il est venu nous voir en disant euh, on a un projet, euh, on aimerait faire une boîte en Suisse, en titane pour accueillir un tourbillon. Est-ce que tu es de la partie euh, Si tu veux être de la partie, il faut nous faire un proto en une semaine. On a, on a fait le proto en une semaine, euh, le proto a été présenté. Ça a bien fonctionné pour lui et euh, aujourd'hui, on produit en série euh, ce composant. Donc une boîte en titane grade 5 DLC noir euh, sur, sur euh, nos outils industriels et, euh, et nos, nos savoir-faire à la chaux de fond. Là-dessus, on se rejoint beaucoup avec Thomas, c'est que je ne travaille qu'avec des gens qui sont à moins d'une heure de voiture. Donc ça va au-delà du Suisse, mais c'est vraiment hyper local, parce que je veux pouvoir, au besoin, me déplacer rapidement sur un coup de fil pour aller voir comment ça se passe, s'il y a des choses à à changer, à améliorer, ou tout simplement un avis à donner sur « ok, ce polissage me va, celui-là me va pas ». En Suisse, on a un outil industriel qui est excellent, et cet outil industriel nous permet justement de pouvoir produire dans des délais rapides et à des prix hyper compétitifs comparé à d'autres parties du monde. Une fois que l'industrialisation est posée et que le projet est lancé, on approvisionne la matière sous forme de barres ou de lopins ou encore des tampages. Et grâce à nos machines d'usinage qui sont automatisées, on, on lance des batchs d'environ 500 à 1000 pièces et on tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur ces pièces. Ensuite, une fois que les pièces sont terminées, elles sont évidemment contrôlées, elles sont aussi contrôlées en cours de production bien entendu, elles sont terminées à l'interne par nos équipes de polissards et euh, ensuite, on a un, un traitement de surface sur ces boîtes qui est un DLC. Donc là, on travaille avec notre partenaire Positive Coating, dans l'occurrence. Alors, les pièces qu'on reçoit de la part de la maison Bayo sont des pièces qui sont terminées au niveau de la décoration. Donc, euh, ce sont des pièces en titane qu'on reçoit, qui sont toujours contrôlées à 100% à l'interne. Ensuite, qui sont passées en production. Et pour pouvoir euh, appliquer notre traitement, toutes les pièces sont nettoyées dans des bains de lessivage. Ensuite, les pièces sont montées et euh, passées en machine. Pour tous ces composants-là, qui sont des composants euh, de boîte, on propose euh, donc notre traitement gris tantal pour l'extérieur les couronnes, euh, les fonds, les lunettes, euh, les carrures et les vis de fond. On va garder l'état de surface. Qui est proposé à la base. Euh, nous, on va appliquer une couche par dessus qui va permettre une coloration. C'est un traitement qui a des propriétés euh, donc euh, DLC, qui, est, qui a une bonne résistance à l'usure, au frottement, euh, à, à la corrosion. Donc, on a aussi travaillé sur des pièces euh, internes à la montre où là, on a proposé un traitement bleu un traitement bleu marin. Donc un des avantages de notre technologie, c'est de pouvoir euh, effectivement euh, garder la propriété de la pièce, euh, étant donné qu'on est sur des traitements qui sont très fins, de l'ordre d'un 1 micron à 1 un micron et demi. C'est-à-dire que si on a une pièce qui est par exemple microbillée ou satinée, cet, cet état de surface-là va rester à la suite de notre, de notre procédé. Les pièces sont ensuite démontées, recontrôlées, et ensuite conditionnés pour être renvoyés à la maison Bayou. On les récupère une fois que le traitement est terminé et ensuite on les assemble en interne. Donc on vient gérer l'étanchéité donc l'assemblage final de cette boîte de montre. We integrated a connected glass NFC. What is magic about it is that the NFC is around the glass, you can't see it, it's not invasive, but it's there. So, if you use your mobile phone on the watch, it will create a connection between you and us, the brand, and we are acting as a concierge, helping you to get a lot of services uh, to enhance your journey with the brand. Our system uh, gives the right, if they wish, only there's no obligation to our customers to uh, speak about the brand and to recommend it, to pass on the right of purchase to friends, family, colleagues. So, if your friend likes the watch, it just have or she just has to put the phone on the watch and it will pop up to your boutique every customer have if they wish their boutique they can recommend and when they uh, make a sale they get privilege what, what i really liked uh, greatest happiness was and it happened several times when customer came and said look i always dream to have a tourbillon in my watch collection but it, I, I could never reach it and thanks to you and thanks to your brand I can finally add a tourbillon to my collection. And that's nice. That, that, that makes you really want to, uh, to make these type of watches. It's not just about money. It shouldn't be just about money. It's about passion first. And seeing the happiness of those customers, it really what drives my, my motivation. Okay, I hope you enjoyed this, and personally, I think this piece uh, seriously looks pretty cool. And of course, you can't really compare it to some uh, super fine watchmaking tourbillon out there, but this is definitely a great example of what uh, disruption is all about. Thanks for watching, see you real soon, and viva watchmaking!